Eh bien, salut les gens, on se retrouve ici pour la suite de The Division. Et puis, je viens d'enregistrer en fait une partie de 1 heure. Et puis, malheureusement, mon programme d'enregistrement, il a pas tenu cette 1 heure. Et du coup, il m'a dit non. Voilà, finalement, je te donne rien du tout. Donc, on va refaire. Donc, je sais pas exactement où est-ce qu'on y est maintenant, du coup. Agent, ici le Dr. Kendall. D'accord. Vous devez à tout prix protéger la vie des civils que vous rencontrez. Si on regarde les statistiques, certains de ces réfugiés doivent avoir survécu à la grippe du dollar. Par conséquent, ils disposent d'anticorps dont j'ai impérativement besoin si je veux avoir une chance de combattre cette saloperie. En ce qui concerne les malades, le fait de disposer d'une plus grande variété génétique d'échantillons du virus nous aidera à évaluer le taux de mutation. Pour faire court, ces gens doivent rester en vie jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. C'est clair ? Alors parfait. Alors, c'est la mission que... Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Ça marche. Donc cette mission, en fait, je viens de la faire, en fait. Et puis je peux vous dire que elle sera très très dure parce que... j'ai mis justement 1 heure pour cette mission. Donc du coup... Et j'ai pas encore réussi à la fin. J'ai juste vu à la fin, en fait, que le programme ne marchait pas. Donc du coup, j'ai recommencé. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que maintenant, je sais comment... lancer des grenades, grâce à vous. Grâce à ceux qui m'ont aidé, donc merci beaucoup. Bon, ceux qui m'ont dit les touches Xbox, c'était pas forcément utile parce que je suis sur PS4 pour ceux qui le savent pas. Mais par contre, merci pour tous ceux qui m'ont donné donc le conseil. Maintenant, je sais comment lancer, c'est tout simplement en appuyant sur la flèche de gauche. Et puis après, vous pouvez directement lancer la grenade. Et c'est ce qu'on va faire déjà. Voilà. Et ça, j'aime bien s'ils sont alignés comme ça, c'est pas mal. Ok, par contre, ça j'aime un peu moins. On va prendre le soin directement. Je sais que c'est pas super d'utiliser le soin. Putain, en plus, on est directement au même niveau. Je viens d'utiliser le soin pour rien, quoi. Le soin, il fait directement pour... Comme ça. Voilà, donc vous voyez à peu près ce que je veux dire avec une difficulté un peu élevée. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette mission. Pour l'instant, j'arrivais bien, enfin pas bien, mais disons, j'arrivais à mon niveau sur The Division. Mais par contre, cette mission, j'ai l'impression que... Je sais pas. J'espère que ça va pas rester comme ça, parce que sinon, ça veut dire que... Le jeu est pas pour moi. Non, mais par contre, franchement, c'est... J'ai l'impression que c'est quand même assez difficile. Faut voir encore... la suite, mais bon, on verra. Allez, maintenant, déjà, on va se lancer une petite grenade là-bas. Allez les gars, ça c'est pour vous. Cadeau. Voilà. On va aller un peu vers là-bas. Allez. Donc, il y en a un par contre qui va venir vers là. Il est où là? Est-ce qu'il y en a un là? Non, je crois pas. Ah bah, oh putain, si. C'est pas que un d'ailleurs. On va faire gaffe. Parce que ces gars-là, ils sont vraiment pas peur de venir directement me caresser en fait. Voilà. Ils sont pas peur de venir cash en me disant salut, ça va? Comme ça par exemple, ils viennent vraiment très très près. Ils veulent vraiment le contact absolu. C'est très mignon, mais par contre voilà, en ce moment j'en ai pas besoin de contact. Putain. Ah mais putain, ils me font chier. Je vous le dis, cette mission elle me fait tellement chier. Je suis déjà depuis 1 heure. Là maintenant, nous, maintenant ensemble, on est juste depuis 5 minutes. Même pas, mais par contre... moi je suis déjà sur cette mission depuis 1 heure et puis ça me rend fou, ça me rend complètement fou. Ça m'étonnerait pas si un bout d'un moment je vais vous dire je vais rage quitte et on se voit plus jamais. Non mais franchement, j'espère franchement que cette mission est genre un boss à comparer avec un boss dans Metal Gear Solid. Mais sinon, bravo la difficulté quoi. Bon après je sais qu'on peut aussi jouer en ligne. Enfin inviter du monde. Bon on est de toute façon en ligne. Mais je veux dire jouer avec des personnes. Et donc je pense que ça
ça pourrait aider aussi. Je pense que c'est nettement plus simple après. Mais disons pour l'instant on va déjà essayer comme ça. Et d'ailleurs en parlant de jouer à plusieurs et tout, je sais qu'il y en a plein qui m'invitent à chaque fois dans les parties et tout. Le problème c'est que j'ai désactivé les invitations et aussi les messages et tout. Donc je vois même pas vos messages en fait. Enfin quelques-unes de temps en temps par hasard je tombe dessus. Mais par contre généralement je les vois pas parce que j'ai tous désactivé. Parce que c'est quand même assez gênant en vidéo. Donc du coup je me suis dit autant les désactiver. Par contre attendez, on va juste... Oh, oh là, oh là, oh là, oh là. Il faut de temps en temps respirer, il faut même boire un peu d'eau. Voilà. D'ailleurs, j'ai augmenté un peu le son du jeu. J'espère que... Comme ça, c'est pas mal. Et j'ai augmenté aussi la qualité des vidéos. Donc normalement, il ne devrait plus avoir des problèmes de pixels. Vous voyez que je suis en train de me divertir en vous parlant comme ça, sans rager. Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Et donc du coup, la qualité devrait être mieux. Et puis le son, je l'ai augmenté parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit que c'était pas assez fort. Maintenant, j'espère que c'est assez fort. Si jamais c'est trop fort ou pas assez fort, je vais pouvoir le régler encore la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Mais je sens que cette vidéo, ça sera une vidéo assez rageante. Je vais péter un câble à la fin. Parce que... Ça m'énerve, cette mission m'énerve. Je vous dis pas que le jeu m'énerve, c'est pas du tout le cas, mais... Cette mission, elle m'énerve beaucoup. Il y en a pas assez de munitions aussi, ça me gêne aussi. Et ils viennent très très vite sur nous. Mais c'est surtout en fait... C'est même pas le comportement qui me gêne le plus, c'est leur vie en fait. Parce que si tu leur mets plusieurs rafales dans la tête, ça leur crate juste un peu à la tête, mais ça leur fait même pas mal. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un vous crate un peu à la tête, disons, c'est. Voilà, vous étonnez un peu ce qu'il fait, mais par contre, c'est pas. Ça fait pas forcément mal. Et puis eux, c'est le cas, si on leur tire plusieurs rafales dans la tête, ça fait cette sensation-là. Et donc du coup, ça, je trouve ça un peu étrange. Oh putain, le mec il a... Mais le mec il apparaît. Il apparaît. Il est là, il apparaît comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, le mec il apparaît là. Moi je suis en train de tirer tranquillement et puis le mec il apparaît. Salut, ça va? Putain, j'ai l'impression qu'ils veulent tous me caresser, mais en fait, ils viennent pas me caresser. J'arrive même plus à parler. Oh là là, mais je sens que ça va être une mission, mais t'es mochante. Vous êtes proche d'un écho lisible. Tu m'énerves aussi, toi, à chaque fois. Arrête d'être bloqué. Arrête d'être bloqué. Ok, les gars. Je sais pas comment faire autrement. Du coup, je viens jusqu'à là, déjà. Je vais vous lancer une grenade parce que ça, je trouve, c'est même pas une mauvaise idée. Voilà. Ok, donc là, il y a une grenade. Il faut que je bouge là. Allez, cours. Ouais, on se dépêche. Exactement. Le problème, c'est qu'ils viennent quand même très très vite de partout. Voilà. Et puis en plus, il y en a vraiment un peu de tout. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'ils font. Parce qu'il y en a quelques-uns qui rush, quelques-uns qui restent bien derrière, quelques-uns qui snipe. Enfin, des snipes, j'en ai pas encore vu. Mais c'est quand même une belle équipe. Moi je suis un peu seul pour l'instant. Bon, du coup ça fait une moins bonne équipe. Ok.
toi tu restes là. Le problème c'est que dès que je vais me lever là, il va me... Il va m'enlever beaucoup de vie quoi. Exactement. Donc, du coup on va attendre. Il m'a pas encore enlevé le premier point de vie donc ça va. J'attends jusqu'à ça augmente. Allez, c'est parti. Montre-toi. Hop. Enfin, mais il s'est même pas encore levé. C'est vraiment lui qui m'a fait ça. Il s'est même pas encore levé, il m'a enlevé le point de vie quoi. Alors c'est quand même très bizarre tout ça. Regardez-moi ça, il... En 2 millisecondes, il m'enlève toute ma vie quoi. Qu'est-ce qu'il tire là en fait? C'est lui? Tu fais ton boulot toi? Ok. Mais c'est vraiment de nouveau lui qui m'a enlevé toute la vie. Je comprends vraiment pas parce qu'il a même pas regardé vers moi. Et puis il m'enlève déjà la vie. Il se passe quand même des trucs chelous. Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Donc ça serait bien de pouvoir prendre un petit coup de... Déjà une grenade ça fait du bien. Mais par contre un kit médical ça me ferait plaisir encore plus. Donc du coup on va faire le... Ah bah voilà, c'est bon. On l'a eu. Ça c'est fait. Est-ce qu'on a encore des trucs à ramasser là? Il y en a encore quelque chose. Des munitions. Ah mais toi t'es là toi? D'accord. On la cache comme ça. Eh les gars. Non, calme. Il fait peur. Ok, attendez. Calme-toi. Quelle agressivité dans ce pays. On va se prendre le kit médical, voilà. Comme ça on a déjà le plein de vie. On ramasse quand même des munitions et tout ça. Voilà. Mais ils sont en train de cramer, ils étaient dans une explosion et tout. Et puis ils sont toujours pas morts. Mais j'hallucine, mais regardez-moi, c'est ouf. Si j'aurais une vie comme ça, ce serait simple le jeu, mais là... C'est quand même très très difficile. Ok, par contre là... Il me lance en plus des grenades. Non, dégage. Je suis en feu. Super. Ok. Moi, par contre, je peux pas être dans une explosion et puis les cramer et en même temps me faire tirer dessus. Ça, j'arrive pas. Pas comme eux. C'est quand même le seul jeu que je connais pour l'instant où les ennemis sont plus de vie que le joueur. C'est impressionnant. Bon, pas tous par contre, il faut dire. Vraiment pas tous. C'est quoi? Analyse en cours. Reconstruction terminée. Activer l'écho, c'est quoi? Déjà, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Bonsoir. Ok. Pourquoi il y a des chiens là? Oh, c'est dégueu, putain. Ah, je crois que je vais gerber. Eh, c'est ça ou rien? Ok. Ça marche, j'ai rien compris. Mais c'est pas grave, on va continuer. Elle va péter. Il va péter. Allez. Quoi? Il s'est passé quoi là? J'ai même pas compris ma mort. Ok. J'ai même pas compris. Donc, vous voyez à peu près le délire que je me fais depuis une heure et demie, là, quasiment. Enfin, non, pas totalement, mais ça va bientôt faire une heure et demie.
Et puis, bon, on va se refaire le écho là. Je sais pas à quoi ça sert exactement, mais ça peut être important quand même. Allez. Donc, bah, comme je commence à chaque fois avec exactement le même rituel et que à chaque fois j'arrive pas, on va changer un peu le rituel. On va genre aller là. Voilà. Allez, on va y aller comme ça. La vie, comme elle part vite. C'est ouf. Enfin, notre vie. Pas leur vie. Leur vie, ça tient bien le coup. Ça va être très très difficile là de nouveau. Voilà. Je prends le soin et puis je. J'ai exactement la même vie de nouveau après. Tellement je perds vite ma vie. On va se mettre là. Attendez, s'il va arriver là, on va le buter. Bon, c'est fait. Je sais même pas si ça vaut le coup de viser la tête, vu que j'ai pas l'impression que ça va beaucoup plus vite après de les tuer. Il y a l'escalier entre nous et lui. Le mec il met les flammes dans l'escalier et ça me tue. Voilà. Ok, bon. Est-ce qu'on peut genre quitter ça? Et puis... refaire un autre truc. Parce que là, carrément... Quitter la zone de mission. Oui, c'est bien ce que je veux. Je veux plus jamais retourner là. Donc cassez-vous avec ça. On va carrément pas faire ça. Ça me fait tellement chier que je rage quitte, voilà. Ça c'était un rage quitte professionnel. Enfin, professionnel. Plutôt noob, mais professionnel aussi. ça fait du bien de marcher un peu. Prendre l'air. Du coup, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Il y a certainement encore d'autres choses à faire, parce que vous allez pas me dire que ça c'est une mission à faire maintenant absolument. Vous allez voir, maintenant je vais tenter une autre mission. Et elle sera exactement aussi difficile. Et là, je peux vous dire que là, ça va rager. Désélectionner. Non, on va sélectionner, voilà. Ça, c'est très très bien. On va donc aller là. Qu'est-ce qui se passe? Hey, vous seriez pas un peu nerveux, là? Je suis pas nerveux. Tout le monde est nerveux, mais pas moi. Moi, le seul truc, c'est que je suis un peu énervé. Parce que je viens d'une mission très très loupée. mais du coup, comment on rentre là-dedans en fait? Là, j'ai pas totalement compris le truc. On va faire le tour. Ça tire là, pourquoi ça tire ça? C'est pas bon déjà. Est-ce qu'on va rentrer là-bas? Oui, on va rentrer. Je pense que c'est dedans en fait. Allez, on va y aller. Ah, du coup, il peut même pas courir. Faut marcher là-dedans. Ah, là, il peut nous courir. Évitez de nous faire tuer. Non, c'est vrai. Moi, j'aurais dit... allez-y. Ouvrir la réserve. Y a pas de réserve, là. Sérieusement, je pensais qu'on allait trouver. Salut. Mais du coup, est-ce qu'il y a une mission là-dedans ou pas? Amélioration disponible. Il y a une amélioration disponible là-dedans. Ouvrir un menu. D'accord, donc là pour l'instant tout est bloqué ici. Donc ça, pas de changement. Et là, guide survie, ok. Ça c'est le docteur. Et là, il paraît qu'il y a une amélioration à faire. Chaque dispose de 10 améliorations. Ok.
Donc là, il y a des différents... D'accord. Ça marche. Et du coup, on peut déjà se faire quelques améliorations. Notamment clinique. Allez, on va faire ça. Ça m'a l'air parfait, ça. Bon. Pour vous remercier, j'essaierai de vous trouver une bonne bouteille. De bain. Ça marche. Donc ça, c'est fait. Mais attendez, il y a encore disponibilité de faire encore une autre... On peut faire pharmacie aussi. Ok. Donc je pense que du coup, c'est quand même un peu plus simple si on fait d'abord les missions un peu plus simples. Et éventuellement plus tard cette mission que j'arrive pas. Génial, une pharmacie. On va pouvoir stocker et contrôler nos réserves de médicaments. On va en avoir un peu plus des kits médicaux du coup, non? Personne ne me veut... Non, non, d'accord, d'accord. Ça marche, je dégage alors. Attendez. Laissez-moi voir un truc. Là, il y a une mission à faire. Mais ça, on l'a déjà fait. On l'a déjà carrément fait. Alors, je comprends pas pourquoi. C'est encore indiqué. Est-ce que c'était bien ça qu'il fallait faire? Oui, je pense. Ah, clinique. Enfin, un hôpital. Faut bien commencer quelque part. On a assez de personnel pour s'occuper des malades, mais on risque pas de manquer de boulot. C'est sûr. Du coup, on a tout fait, là, non? Merci, vous faites du super boulot. C'est sympa. Ça, pour l'instant, c'est... Bah, pour l'instant, on peut pas faire plus que ça. Du coup... c'est pas bon. Non, normalement, dans 3 mètres, en fait. 3 mètres, c'est pas... Ça serait là, 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 non? C'est là. C'est le tasse-ciel qu'il faut faire. On l'a déjà fait, donc je vois pas pourquoi il nous indique toujours le truc. Ok, ça doit être certainement un bug. Donc, du coup, ça, c'est fait, je pense. Même si c'est pas vraiment indiqué. Est-ce que là-dedans, il y a encore d'autres choses à faire? Non, on ne dirait pas. Donc du coup, la prochaine mission, ça sera celle-ci aussi. Hôpital de campagne Madison. Bah, on l'a déjà terminé. Écrit mission terminée. Ok. Bon Dieu de merde! J'aimerais bien dire à celui ou celle qui m'a envoyé ici d'aller se faire foutre. Je confirme la réussite de la phase 1. T'as difficulté normale. Non mais attendez, attends, là ça va pas du tout. Bon Dieu de merde, j'aimerais bien dire à celui ou celle qui m'a envoyé ici d'aller se faire foutre. Les cadavres m'arrivent jusqu'aux genoux. Ça attire les nettoyeurs comme des mouches. On va aller voir la planque, allez. On va aller voir déjà. Qu'est-ce qu'il faut? Et attendez déjà. Viens, 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 viens. Portefeuille. On en a pas énormément, les thunes. Écoutez. Déjà, on a largement pas assez pour s'acheter une arme. Super. Et est-ce qu'on peut, genre, acheter de vendre quelque chose? Gilet de sûreté. Vendre. Marqué pour vendre. Putain, mais ça vaut que rien du tout en fait. Ça vaut vraiment rien du tout, c'est tous ces genres de trucs. Mais même les armes en fait, ça vaut rien. Alors là, il y a des armes genre qui coûtent 500 et tout. Et puis par contre, à la revente, c'est 20 et tout. Ouais, ok, ça marche. Je passe. Ouais, non, tu m'as l'air très arnaqueur. Si j'ai pas, c'est que ça existe pas. Du coup, ici, c'est quoi? C'est des différentes armures. Pas de problème. Okay. Mais comment on peut se faire, en fait, l'armure, en fait? J'ai pas totalement compris. Capacité. Déjà, il y a des capacités. Médical. Sécurité. Okay, mais il y a plein de trucs en fait qu'on n'est pas, absolument pas. Vous avez des déplacements de talent non assignés. Ok, bah ça, déjà pour l'instant, on pourra le faire. Donc là, c'est camarade de combat. Ranimer un agent inanimé pour réduire les dégâts de 50% pendant 10 secondes pour les deux joueurs.
Choc et refroid. Effectuer une surprise contre un ennemi pour déplacement pendant 10 secondes. Vitesse de déplacement. Bon, les deux m'ont l'air pas super non plus, mais disons on peut faire ça pour l'instant. Voilà. Ah, mais on pourrait carrément faire les deux en fait. D'accord. Ah non, peut-être pas. Non, non, non. C'est faux, c'est faux. On peut pas en faire deux. Ok, il faut être niveau 15. Donc là, les compétences. Il y a aussi moyen de faire quelque chose. Premier soin. Attendez. Impulsion. D'accord. Technique bombe collante. Bouclier anti-émeute. Hey, t'as besoin de quoi ? Ok, et puis là c'est premier soin. Soigne tous les alliés dans le dans un rayon limité. Bon, on n'est pas souvent accompagné, donc du coup c'est pas ce qu'il nous faut le plus. Mais ça, ça m'a l'air bien. Allez, on va. Ça c'est pas mal aussi par contre, donc du coup. Voilà. Ok, donc ça c'est déjà pas mal. Tout ce qu'on peut faire là, et bonus, c'est quoi? Mise à jour... Ok, kit de soins de un emplacement. Ok, donc ça c'est bien aussi, on peut avoir plus de kits de soins. Et donc là, il y a des différents bonus. Ok, bah ça, tout ça, c'est très très bien à savoir. Ok, bah ça valait le coup d'aller voir un peu. Inventaire, news, paramètres. Ok, donc là, je pense que c'est bon. Si tout va bien. Jouez pas trop les héros. Poste de fabrication. C'était quoi déjà ça? On était déjà là une dernière fois, mais je me rappelle plus trop. Ah oui, c'est pour améliorer les trucs, ok. Bah pour l'instant, je pense qu'on peut pas faire beaucoup de choses ici. Ça marche. Bah du coup, je voulais aller voir maintenant la planque. Content de vous revoir en un seul morceau. Bon, même si la mission qu'on a loupée m'a bien énervé, le jeu est quand même très très beau. Et bien fait pour l'instant, je l'aime bien. Juste cette mission, j'ai un peu peur. Le jour où on va la retenter, je vais avoir très très peur. Je vous le cache pas. Et je pense que ça sera même la prochaine fois déjà. Donc, du coup, je pense qu'on sera un peu mieux équipé. Et puis si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Si par exemple il y a, je sais pas, un cheat pour passer inaperçu des ennemis et tout, il faut me le dire. Il faut tout me le dire. Quoi? T'approches encore et je te pète la gueule. Qui c'est qui m'a dit ça? Les gars, on se calme. Quoi? Et c'est pas... Mais pourquoi? Et wow, 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 les gars. Ah, mais ces gars-là, au moins, ils meurent un peu plus vite. Ça, j'aime bien. Je pense qu'eux, ils sont pas de gilets pare-balles et tout. Donc, du coup, ça se présente un peu mieux. Voilà. Ah, ça fait du bien de pas trop perdre de vie. Voilà. C'est bien aussi de réussir. Au moins, il y aura un truc de réussi dans cette vidéo. Ça fait plaisir, en fait, je trouve ça plaisir. Du coup, non, c'est pas vers là. Mais où est la planque? Où est cette planque? On est là. Ça, c'est quoi, ça? Rencontre. La planque, elle est là, en fait. Ah non, il y en a deux. Ah, d'accord. D'accord. Là dedans, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut pas trouver des genres de trucs cachés? Non, pas trop. Ok. Normalement, c'est la prochaine à droite. Et donc là-bas, il y a juste une mission encore disponible. Mais je pense que. Emplacement marqué à proximité. C'est là, non, je pense pas. Si, peut-être. Elle fait quoi? Ah, elle trouve pas à manger, ça c'est embêtant.
Oula, ça tire là dans le coin, ça tire. Alerte, communication radio JTF interceptée. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères. Des pillards nous ont repérés. Si quelqu'un de la JTF entend ce message, répondez. Traçage du signal. Analyse terminée. Non, j'ai pas entendu. J'ai rien entendu. Pourquoi, vous avez entendu quelque chose? Il y a quelqu'un besoin de notre aide? Non. Déjà, j'aimerais bien trouver la planque, quoi, disons. Ça serait déjà un truc... un super truc. Et puis après, on reparlera, mais... Parce que là, pour l'instant... J'ai du mal à la trouver. Elle devrait être là, dans le coin, quoi. J'ai un chien, il y a deux chiens. Pourquoi ces gars, ils sont armés, là? Ah non, c'est nos gars. Ok. J'arrive pas à trouver l'entrée de... Ah bah là. Bien caché, bien caché. Faut le dire. C'est ça, notre planque. Ça, c'est super. Yeah, food. Indique que cette zone okay, est sûre. Très très sûr le truc. Je confirme. C'est pourri. Cet endroit. Ok, planque. Chaque planque propose des missions et des lieux de rencontre. Des services. Des lieux de rencontre. On va rencontrer notre femme de notre vie. Des services comme les marchands, les... Nanana, ok, bon, ça, c'est assez logique, en fait. Ouvrez la carte, ok, planque... Ouais, ok, donc c'est assez logique, on peut trouver du monde ici. Pour faire aussi des missions. C'est bien. Ah, des kits de soins, ça fait plaisir aussi. Je pense que... franchement, si on veut bien faire ces missions... Il faut quand même être un peu plus équipé. Je pense que là, on est déjà un peu plus équipé qu'avant. Pas totalement super bien équipé, mais disons, voilà, ça devrait faire déjà. Non, salut. Pour l'instant, ça va. Ok, donc là, pour l'instant, nous, on va s'arrêter là. Je sais qu'on n'a pas foutu grand-chose dans cette vidéo, mais disons, on s'est un peu préparé déjà. On a un peu ragé en début, ça fait plaisir aussi. Et donc, la prochaine fois, on va faire... bah une mission, je sais pas encore exactement si on va vraiment retenter la mission qui me fait très très peur. Celle-ci là-bas, ici. Non, je confirme rien du tout. Et puis sinon, bah vous voyez, il y a encore plusieurs missions ici et ici. Et puis voilà, il y a plusieurs missions. On verra ce qu'on va faire encore exactement pour la prochaine fois. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine, parce que c'était une bonne semaine bien remplie. Alors je sais pas encore si je vous ai déjà mis le planning de la semaine sur Facebook, je sais pas encore, ou si je vais le faire encore. Ça dépend aussi si j'arrive à vraiment planifier toute la semaine. Mais je pense que la semaine prochaine, déjà il y a le long week-end parce qu'il y a Pâques. Donc je pense qu'il y aura de nouveau pas mal de vidéos. Et puis je pense que pour le lundi de Pâques, un petit truc spécial, une petite présentation d'un jeu qui va bientôt sortir, mais ça je vous dirai pas plus pour l'instant. Je vous tiendrai au courant sur Facebook. Donc sur ce, salut Jean et à très très bientôt pour la suite de The Division et puis aussi pour tous les autres let's play. Donc sur ce, salut Jean et à très bientôt.